Belle le Papillon. Au printemps, Amandine, la gagnante de la Nouvelle Star 2008, a déployé ses ailes et est devenue Amandine Bourgeois avec un premier disque sorti tout chaud de sa chrysalide. Mais moi, de toute façon, il est vraiment qui je suis. Mais ce n'était pas gagné. Amandine ne s'est lancée dans le chant qu'à 23 ans, car elle manquait de confiance en elle. Pour moi, le chant, c'était inaccessible. J'avais une voix trop fluette ou j'avais pas la voix qu'il fallait pour chanter. J'avais pas assez confiance en moi pour me confronter à des critiques ou à des jugements, quoi. Et il aura fallu les jurés de la Nouvelle Star 5 ans plus tard pour faire sortir la bête de scène qui sommeillait en notre boucle d'or. Podane. Ah pardon, Podane alors. À partir du moment où elle a le micro, elle habitait, quoi. Elle a les gestes de Joe Cocker, quoi. Je lui fais la remarque, il fait « Ah ouais, faut que je m'empêche de faire ça », mais je dis « Mais surtout pas, quoi, parce que c'est vraiment elle, quoi. » Et Amandine le démontre sur scène avec panache, même lorsqu'elle présente son single « L'homme de la situation » pour la toute première fois au public. Je suis super impatiente, mais en même temps, je suis anxieuse. Décidément incorrigible, allez, sur scène. Résultat des courses. Ça s'est bien passé finalement. Elle était à l'aise. Elle a beaucoup donné sur scène, elle a chauffé la salle. Ils ont tapé dans les mains alors que ils ont été vraiment super. De bon augure pour les autres dates d'Amandine sur les scènes de France cette année. J'ai envie de partager des choses avec le public, j'ai envie vraiment de faire plaisir, de donner plein de choses, quoi.